Senhores e senhoras, saludos a todos e a todas participantes. Monsieur, bonjour. Bonjour à tous les participantes et les participants à cette célébration de la Journée internationale du personnel infirmier. Je m'appelle Sylvia Cassiani, je suis conseillère régionale en infirmerie et de technicien de santé de l'OPS. Aujourd'hui, vous pouvez écouter cette réunion dans les quatre langues de l'organisation. Il vous suffit de cliquer sur la map monde en bas de votre écran. Vous pouvez accéder à l'anglais, à l'espagnol, au portugais et au français. La Journée internationale des infirmiers et des infirmières est célébrée le 12 mai. Mais l'OPS a décidé d'avancer cette journée, la célébration de cette journée, car une série d'événements est déjà prévue la semaine prochaine à l'échelle internationale et nationale. Pour ouvrir cette célébration, j'invite le vice-directeur de l'OPS, Jarbas Barbosa. Vous avez la parole. Merci Sylvia. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier au nom de l'OPS de nous avoir rejoints. C'est un privilège pour notre organisation de pouvoir rassembler ces éminents intervenants. Nous allons avoir le ministère de la Santé de l'Uruguay, M. Salinas, des représentants de l'Université Johns Hopkins, la directrice exécutive d'une autre université. Nous aurons également la chef du personnel infirmier, du personnel de la santé de la Jamaïque pour célébrer cette journée internationale du personnel infirmier et échanger des expériences afin d'améliorer les investissements et la protection dans le personnel infirmier. La priorité, c'est d'investir dans le personnel infirmier pour accélérer la reprise et maintenir les acquis de santé publique, mais aussi reprendre le chemin vers la couverture universelle de santé. Le personnel infirmier dans les Amériques joue un rôle central dans l'accès aux services de santé et à la couverture universelle de santé, mais aussi pour atteindre des populations vivant en situation de vulnérabilité. Il représente 56% de la manœuvre totale du secteur de la santé. Et une grande partie d'entre eux sont des femmes. La région des Amériques produit un grand nombre, le chiffre le plus élevé de diplômés dans le secteur de la santé. C'est la région qui arrive au premier rang de toutes les régions de l'OMS. Il joue un rôle central dans la vaccination de la population. Malheureusement, nous avons perdu un grand nombre de professionnels de ce secteur. Au Brésil, par exemple, jusqu'en avril 2021, plus de 54 000 infirmiers et infirmières ont été infectés et un grand nombre d'entre eux ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Il s'agit donc du groupe le plus touché au sein du secteur de la santé. Maintenant, le moment est venu de reconnaître le rôle du personnel infirmier et leur appui réel et permanent. La migration de ce personnel, les conditions dégradantes, les mauvais salaires, le manque de réglementation professionnelle, le non-respect de cette réglementation empêche de tirer plein profit de ces personnels de santé afin d'améliorer la situation sanitaire de la population. Un exemple de cette répartition inégale se voit est visible en Équateur, où
on a 21,3% de personnel infirmier pour la population. Et c'est un facteur de disparité entre les différentes régions. On voit donc une grande variation entre les différentes régions. On voit varier le nombre de personnels infirmiers de 2,5 à 31 pour 10 000 habitants. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ces inégalités de répartition du personnel infirmier. Ces inégalités, inéquités sont plus fortes, sont plus creusées dans les pays à faible revenu. Les systèmes de santé résilients qui fonctionnent de façon optimale avec une couverture adéquate requièrent des ressources adéquates, des ressources humaines qualifiées et épanouies. Il nous faut également tous ensemble œuvrer pour investir des ressources dans l'éducation, dans la formation de qualité et pour un travail intersectoriel entre le milieu universitaire, le secteur de la santé et la population. Les investissements, les ressources doivent être alloués à la création de programmes de formation continue des professionnels infirmiers. Soulignons ici que la formation d'un plus grand nombre d'infirmiers et d'infirmières ne suffira pas à répondre à la demande. Il faut en effet améliorer les conditions de travail, la protection, les possibilités de promotion et les salaires pour garantir que les professionnels infirmiers soient correctement répartis et formés. Les pays ont besoin de mettre en place des cadres normatifs définissant portée de ce travail et favorisant le développement continuel de ce personnel. La main-d'œuvre augmente. Un infirmier sur 8 exerce sa profession dans un pays autre que celui dans lequel il est né. Dans les Caraïbes, plus de la moitié de la main-d'œuvre travaille dans des pays à revenus élevés. Les cadres réglementaires doivent être revus. En pratique et dans l'organisation des soins, il faut également faire des propositions permettant de passer d'une catégorie à une autre, à des niveaux dont les niveaux de formation sont plus ou moins élevés. Cette possibilité existe déjà dans certains pays de notre région. En cette journée internationale du personnel infirmier, l'OPS appelle les différents États membres à renforcer leur main-d'œuvre et leur personnel infirmier en investissant dans l'éducation, le leadership, la formation professionnelle et les conditions de travail. 4% de la main-d'œuvre mondiale du personnel infirmier ont abandonné ou abandonneront leur activité à cause de la pandémie. Aux États-Unis, une enquête a montré que 22% d'entre eux envisagent de quitter leur profession. Cette profession, qui subit des conditions plus difficiles de travail, s'avère plus encline à abandonner cette activité que d'autres activités dont les conditions de travail sont moins difficiles, ce qui démontre la charge émotionnelle de cette activité. La mise en œuvre du plan stratégique doit être faite dans tous les pays et tenir en compte les besoins de ce personnel pour pouvoir progresser, en particulier dans le domaine des soins infirmiers qui sont en crise. Tout ceci doit se faire en mettant en œuvre des stratégies pour combler les lacunes qui pourraient attenter à la santé des populations. Il convient donc de
redoubler d'efforts pour garantir le soin à la santé et ne laisser personne de côté. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Barbosa, pour cette allocution et de nous encourager à investir dans les soins infirmiers. J'invite à présent Monsieur Fitzgerald, directeur du département des systèmes et services de santé de l'OPS, pour qu'il nous fasse part de ses observations. Bonjour. Monsieur Barbosa a très bien planté le décor et présenté les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la région des Amériques. Je n'ajouterai rien à ce qu'il a dit. Je souhaite simplement féliciter tous les travailleurs de la santé et tout particulièrement les infirmières, les infirmiers et le travail que tous ceux-ci ont mené ces deux dernières années pendant la pandémie. On a bien vu les difficultés qui ont été rencontrées et surmontées et les défis qu'il nous reste encore à relever à l'avenir. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Nous avons déjà plus de 600 personnes connectées et bien plus de personnes se sont inscrites, donc elles pourraient nous rejoindre. Le ministère de la Santé de l'Uruguay va prendre la parole un peu plus tard. Nous allons également avoir la présidente du Conseil international des infirmières qui va projeter aujourd'hui une vidéo. Autre détail important, nous aurons un document, un policy brief que nous allons présenter ainsi qu'une infographie sur les occasions à saisir pour augmenter les investissements dans la profession infirmière fondamentale pour les systèmes de santé de la région. Nous passerons ensuite à un débat. Et nous aurons également les exposés de différents autres participants. Je vous remercie une fois de plus pour votre participation et pour le travail que vous menez qu'il s'agisse des ministères de la santé ou des universités qui sont représentées ici. Merci à vous, James. J'invite à présent Daniel Salinas, ministère de la Santé publique de l'Uruguay, qui va nous parler des initiatives prises en Uruguay pour renforcer la profession infirmière. Je vous remercie, Monsieur Salinas. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité. Il s'agit d'une journée de la plus haute importance pour le secteur de la santé. Dans notre pays, en Uruguay, différentes actions ont été menées. Je vais en faire le bilan. Nous avons plus de 34 000 postes d'infirmiers et d'infirmières, dont 27 000 environ sont des auxiliaires et d'autres ont une licence dans ce domaine. Donc 3,4 auxiliaires pour chaque licencié en infirmerie. Une minorité sont de sexe masculin et il y a en général en moyenne 305 diplômés par an. 30% ont moins de 35 ans, 57% ont entre 25 et 54 ans.
Ces données, ces faits nous permettent de mener des analyses pour voir les décalages qui existent au sein de ce personnel. Nous avons fait des propositions pour y remédier. Avant cela, je voudrais souligner l'importance du personnel infirmier dans la riposte à la COVID-19 et je voudrais ainsi les rendre plus visibles, montrer leur rôle sanitaire et social au sein du système de santé dans notre pays et dans le reste du monde. En 2021, nous avons apprécié le rôle joué par le personnel de santé face à la pandémie dans les unités de soins intensifs et dans d'autres services. Nous avons dû former rapidement du personnel supplémentaire pour renforcer les équipes présentes dans nos structures. Reconnaissons ici publiquement l'engagement de ces infirmiers et infirmières qui ont été très exposés à la pandémie. La pandémie, qui soit dit en passant, n'est pas terminée. La pandémie suit son cours indépendamment des mesures politiques qui sont prises à son égard. En 2020, nous avons proposé une proposition pour lancer un dialogue politique avec l'appui et le financement de l'OPS, de l'OMS, pardon. L'OMS a réalisé un rapport de situation sur la profession infirmière pour 2021. Et le Conseil international des infirmières a également travaillé dans ce sens pour promouvoir un changement dans cette profession. Avant cela, nous avions déjà travaillé sur l'élaboration d'un plan et pour ce, nous avions tenu compte des recommandations et des orientations de l'OMS. Nous sommes également fondés sur le diagnostic de cette profession dans notre pays. Quel est le rôle du Conseil des infirmiers et infirmières en Uruguay? Cet organisme a permis de lancer le dialogue dont je vous ai parlé. Il s'agit d'une commission qui a été créée sur la décision du ministère de la Santé publique. Il se compose des acteurs les plus représentatifs du milieu universitaire et du milieu professionnel des infirmiers et des infirmières. Il a été créé en 2005 pour définir les politiques dans ce domaine sous les auspices du ministère de la Santé. Il y a eu un remaniement, une ordonnance a été émise et de nouvelles responsabilités ont été confiées à ce conseil, comme l'élaboration de politiques, de documents techniques, des formations et des mesures conjointes, des échanges. Pour ce qui est du plan de travail face à la pandémie, il a été mis en œuvre en commençant par des formations nécessaires à cet effet. 30 vidéoconférences ont été organisées avec plus de 50 000 participants dans le pays. 2 000 personnes ont été formées dans le secteur, dans l'activité infirmière, notamment pour l'aide à la respiration et les aides pour aider les patients en situation critique, et ce pour renforcer la main-d'œuvre des unités de soins intensifs. Qu'avons-nous fait de nouveau à cette étape? D'abord, nous avons mis en place un plan de travail face à la COVID, un plan de formation pour la riposte à la COVID-19. Nous avons organisé des réunions périodiques avec le personnel infirmier de toutes les institutions du pays.
et le matériel numérique, électronique, la possibilité de se réunir à distance a été précieuse. Nous avons mis un plan d'état d'urgence en mai 2020. Nous avons publié un rapport sur le personnel infirmier en formation. C'était en juillet 2020. Et cette même année, nous avons présenté un plan national de développement du personnel infirmier pour 2020-2025 contenant 7 lignes stratégiques, 4 prioritaires qui ont servi à mettre en place un plan opérationnel annuel pour 2021. Nous avons organisé la 8e réunion virtuelle entre 3 organisations, dont l'OMS, nous avons participé à un forum de discussion sur les outils pour le dialogue politique organisé par l'OMS, toujours en 2020. Nous avons appuyé le fonctionnement du groupe pour une campagne nationale. Nous avons élaboré un projet de dialogue dont je vous ai parlé. Et nous avons mené ce dialogue sur la profession infirmière. Depuis mai 2020 jusqu'à décembre dernier, une équipe dirigée par ce conseil a mené à bien ce dialogue avec l'aide de l'OPS et de l'OMS. Quelles ont été les propositions d'investissement qui ont été formulées et que le ministère est en train d'examiner? D'abord, un projet de professionnalisation des auxiliaires du personnel infirmier. Et ce, dans le but que ce personnel auxiliaire obtienne une licence dans la profession des soins infirmiers. Deuxième point, nous avons créé des postes à temps complet. En Uruguay, et les contrats peuvent être à temps partiel et les infirmiers et les infirmières peuvent cumuler différents emplois. Nous avons donc créé des postes à temps plein pour les titulaires de licence en soins infirmiers. Nous avons surtout cherché à ce que ces infirmiers et ces infirmières puissent remplir leurs responsabilités et également des responsabilités opérationnelles. Troisième proposition, une proposition de réglementation sur l'affectation du personnel infirmier. Tout ceci est réglementé, mais seulement dans un nombre de services limités, chirurgie notamment. Mais nous devons améliorer la qualité. Et ce règlement de dotation devra s'appliquer à tous les secteurs. Investir dans les soins infirmiers est extrêmement important pour parvenir à redresser la profession après la pandémie, maintenir les avancées et reprendre le chemin vers la santé universelle qui est l'objectif principal de notre ministère. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole et nous saluons tous les infirmiers et infirmières de notre continent. Merci, Dr Salinas. L'expérience de l'Uruguay est incroyable et l'appui offert par votre ministère l'est tout autant. Les quelques 800 participants qui nous ont rejoints et ceux qui pourront nous entendre aussi par YouTube souhaiteront avoir davantage d'informations sur la façon dont l'Uruguay est parvenu à organiser ce dialogue politique. C'est une expérience qui, sans aucun doute, va modifier et transformer l'avenir de la profession d'infirmier en Uruguay. Je vous en remercie. Bien, nous allons maintenant
vous présenter une vidéo qui est envoyée par la présidente du Conseil international Saint-Pierre-Mière, Dr. Pamela Cipriano. Hi, I'm Pam Cipriano, president of the International. Je suis Pamela Cipriano, présidente de la CII. Et c'est un plaisir que de vous saluer, Dr. Cassiani, ainsi que toutes mes collègues de la région de l'OPS. Je vous salue au nom du Conseil exécutif et des 300 associations membres de notre Conseil. J'aurais souhaité être personnellement avec vous, mais la réunion de la triade à Genève, qui réunit les pays, les régulateurs, les associations, les présidents d'associations nationales, avec l'OMS, m'empêche de le faire. Cette journée internationale nous permet de commémorer l'impact qu'ont les infirmiers sur les soins de santé et le monde. C'est un jour qui a un écho tout au long de l'année, car la profession est essentielle. Nous sommes en effet au service de nos communautés. Et le thème de cette année, qui est d'investir dans les soins infirmiers pour assurer la santé pour tous, va définir l'avenir de la profession. Tous, nous devons travailler ensemble et cet appel à action reflète combien il est nécessaire de renforcer notre profession pour parvenir à une couverture universelle de soins de santé. Une fois dépassé le traumatisme de la pandémie, nous espérons y parvenir. Nous devons améliorer notre milieu, notre environnement de travail et améliorer la professionnalisation. Il faut donc investir dans la profession aujourd'hui pour l'avenir. Le CII est à vos côtés et nous travaillons pour votre sécurité, éliminer la violence contre les professionnels et effectuer davantage d'investissements dans les emplois et l'éducation. Merci de votre sacrifice tout au long de la pandémie, de votre dévouement. Vous avez persévéré dans des situations très difficiles, parfois aux dépens de votre propre santé. Je vous souhaite une réunion couronnée de succès et j'espère que très bientôt, nous pourrons nous réunir en personne alors que vous continuez d'œuvrer au service de l'objectif Santé pour tous. Merci, Dr. Cipriano, président du Conseil international des infirmières. Et je vais donner la parole maintenant au Dr. Nancy Reynolds, qui va nous parler maintenant. Elle est professeure, doyenne associée des affaires mondiales de la faculté d'infirmerie de l'Université Johns Hopkins, qui est un des centres qui travaille en collaboration avec l'OPS et qui travaille pour qu'il y ait un meilleur échange des connaissances en matière d'infirmerie aux États-Unis d'Amérique. Vous avez la parole, Dr. Reynolds. Je vous remercie. C'est un plaisir que de participer à cette réunion qui félicite et commémore la Journée internationale des infirmiers et infirmières. Et j'aimerais ajouter mes remerciements à tous les personnels infirmiers du monde entier qui accomplissent un travail courageux et extrêmement nécessaire. Je remercie Dr. Cassiani de son leadership afin de faire progresser la connaissance quant à la profession dans les Amériques. Pourquoi devons-nous investir dans les soins infirmiers? Le personnel infirmier est lié à la capacité des pays de relever les défis sanitaires du XXIe siècle et dans le monde entier. Il y a plus de 100 ans, Sarah Parson, présidente à l'époque, a dit « S'il n'y a jamais une profession qui a vu le jour en raison des véritables besoins de l'humanité, c'est bien la profession de soins infirmiers. » Et c'est tout à fait vrai, cela est encore au XXIe siècle.
Les travailleurs sur la ligne de front, le groupe le plus important professionnel de santé du monde, les valeurs centrées sur l'individu, l'humanitaire, le savoir-faire au niveau de la prévention, de la prise en charge de maladies chroniques et infectieuses, les soins apportés aux populations sous-desservies et vulnérables. Les infirmiers ont une perspective bio-psychosociale et ils sont des avocats, des communicateurs, des éducateurs qui ont une influence positive sur la santé et le comportement des individus, des communautés. Ils collaborent, ils innovent en effet. Ce sont des attributs cruciaux lorsqu'il s'agit d'offrir une prestation de soins de santé primaire. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'a fort bien dit. Le personnel infirmier joue un rôle crucial, non seulement pour offrir des soins de santé à des millions de personnes dans le monde, mais aussi pour transmettre les politiques de santé, promouvoir la santé au sein des communautés, offrir un appui aux patients. La leçon principale est qu'il faut investir dans les soins infirmiers, dans la profession, car c'est un investissement en ressources humaines au service de la santé, de l'accès universel et de faire progresser également les objectifs de développement durable. La COVID-19 et d'autres maladies infectieuses récentes ont souligné l'urgence de mettre en place des systèmes sanitaires robustes, solides, résilients, qui offrent les services adéquats au niveau personnel et des populations au moment adéquat à tous ceux qui ont besoin de ces services. La déclaration d'Alma-Ata en 1978, un jalon essentiel du XXe siècle, identifie le soin de santé primaire comme étant crucial pour parvenir à la santé universelle et l'objectif de la santé pour tous. L'OMS, dans son cadre d'assistance, a identifié le personnel et les six éléments qui permettent de construire la profession. On pourrait dire qu'un personnel en matière de santé est indispensable à un système de santé. Les infirmiers et infirmières qui représentent 60% de la main-d'œuvre des prestataires de santé à l'échelle mondiale sont absolument essentiels. Alors que la COVID-19 s'est propagée dans le monde, le rôle essentiel, important des infirmiers pour maintenir le monde en bonne santé a été souligné. Trop souvent, la contribution essentielle du personnel infirmier a été oubliée. Les objectifs de développement durable ont un programme ambitieux pour améliorer la santé de tous, y compris le bien-être économique et de santé, essentiel pour parvenir à chacun des ODD. Parvenir à la santé, l'ODD 3, dépend de la quantité, de la qualité des prestataires de soins qui œuvrent dans le secteur. Le rapport sur l'état de la profession dans le monde, publié par l'OMS, est une preuve qui montre comment parvenir à une couverture de santé universelle dans le cadre des ODD. Dans ce rapport, on a souligné plusieurs façons dont le personnel infirmier joue déjà un rôle extrêmement important et contribue à une meilleure santé pour tous. Des exemples sont la prestation de soins de santé primaire, offre des services dans le cas de maladies transmissibles, non transmissibles, tout au long du cycle de vie, améliorer la sécurité des patients, offrir des soins en cas d'urgence, d'épidémie, de catastrophe, répondre aux déterminants sociaux de la santé, offrir un accès aux soins aux groupes vulnérables, répondre aux besoins en matière de planification familiale de santé maternelle et infantile, et d'intervenir également en cas de violence sexiste. L'État, ce rapport, souligne également combien l'investissement dans la profession va décider du progrès vers l'ODD numéro 4, éducation de qualité, le 5, égalité entre les genres, l'ODD 8, travail décent et croissance économique.
tous liés aux questions de santé. En outre, le personnel infirmier est dans une position tout à fait propice pour atténuer les effets liés à la santé du changement climatique. L'ODD 13, action en matière de climat, grâce à une implication au niveau de la politique, du plaidoyer, de la recherche et des approches vers une meilleure santé communautaire. Il existe de nombreuses recherches qui ont démontré qu'une meilleure santé au niveau des populations est associée de façon positive aux indicateurs économiques de santé en relèvement de la productivité, amélioration du PIB notamment. Un rapport de McKinsey en 2020 propose qu'il est nécessaire de repenser à la santé comme étant un investissement, non pas simplement un coût, afin d'accélérer la croissance économique pendant les décennies à venir. Ceci a été souligné dans plusieurs rapports qui ont souligné le rôle essentiel des ressources humaines dans le domaine de la santé et des soins infirmiers en particulier. La contribution à la croissance économique, je n'en donne qu'un. La façon dont développer les soins infirmiers permettra de promouvoir la santé, l'égalité entre les gens et étayer la croissance économique. Mais l'épanouissement du potentiel que présentent les soins infirmiers n'a pas encore été atteint. Il n'existe pas personnes infirmiers qui correspondent à la couverture de soins de santé universelle et aux ODD pour parvenir à une véritable et totale contribution des prestataires de soins. Pour parvenir aux ODD, à la santé universelle, il faut qu'il existe une augmentation forte et durable d'investissement dans la profession d'infirmier. Quels sont les défis? Les défis que comprend la profession pour parvenir à l'épanouissement de leur potentiel est différent d'après le contexte, les pays, les régions. Toutefois, ce rapport sur l'état de la profession dans le monde a montré qu'il y avait des défis communs, et j'en souligne quelques-uns pour la région des Amériques, notamment. Certains défis communs entre les pays sont des nombre insuffisant de personnel, une répartition injuste des personnels en migration, de mauvaises conditions de travail, faible rémunération. La préparation n'est pas non plus à la hauteur. Il y a une absence générale d'appui et une représentation inadéquate au niveau des rôles de leadership. Il y a environ 28 millions d'infirmiers à l'échelle mondiale. 19 millions de professionnels. C'est le groupe le plus important du secteur sanitaire et on estime qu'il y a une pénurie d'au moins 6 millions de prestataires de soins dans la période post-COVID. 89% de cette pénurie estime-t-on est concentrée dans les pays revenus faibles et intermédiaires. Ceci est vrai dans la région des Amériques. Nous le voyons ici, il y a pas mal de difficultés, surtout pour retenir le personnel. Et plus d'un quart des personnels infirmiers du monde se trouvent dans les Amériques, mais plus de la moitié de ceux-ci travaillent en Amérique du Nord. Le nombre d'années d'éducation avant l'entrée en service est 3 ans. Dans la région des Amériques, la préparation oscille entre 3 et 5 ans. La moyenne, 34%, a atteint un niveau de préparation de 4 ans, baccalauréat, plus élevé aux États-Unis, à 64%. C'est important de le noter car la recherche a démontré constamment que des niveaux plus élevés de préparation et d'éducation sont associés à des meilleurs résultats en matière de santé, meilleure qualité, meilleure sécurité pour le patient, davantage d'équité en matière de santé, une mortalité réduite.
dans la plupart des pays des Amériques, on fait rapport sur les normes de qualité et les mécanismes, mais il y a peu de données quant à l'efficacité des mécanismes permettant de garantir la qualité des soins. On voit qu'il y a des opportunités inégales de bénéficier d'éducation de haut niveau de qualité dans les Amériques. On le voit ici, le nombre de programmes niveau baccalauréat varie et vous voyez la grande différence que l'on peut remarquer pour ces programmes qui sont nécessaires pour répondre à une demande non satisfaite. Autre facteur, il n'y a pas non plus un nombre suffisant de facultés où l'on enseigne les soins infirmiers. En 2017, 51 programmes de doctorat en Amérique latine et Caraïbe comparé à 358 aux États-Unis, 18 pour le Canada. Ces programmes de doctorat n'existent que dans 10 des 33 pays de la région d'Amérique latine et plus de 75% de ceux-ci au Brésil. À l'échelle mondiale, environ 53% des pays ont signalé à disposer de rôles avancés pour les soins infirmiers. Des postes plus avancés. C'est un élément important à souligner. Et c'est important d'avoir ce type de rôle plus avancé, des postes plus avancés au XXIe siècle. Aux États-Unis, nous avons environ 325 personnes titulaires d'une licence en soins infirmiers, dont 70% travaillent dans les soins primaires de santé. Notons ici que les études montrent que ces postes plus avancés sont très rentables et permet de fournir des soins primaires de bien meilleure qualité que ceux fournis par des généralistes. Encore une fois, il y a une pénurie grave d'infirmiers et d'infirmières dans les Amériques et un taux de rotation très élevé. Pire encore, dans les zones à faible revenu. Le coût important de cette rotation s'élève à environ 5%, jusqu'à 5% du budget des hôpitaux. Et le coût moyen de cette rotation, ce renouvellement du personnel, coûte de 38 000 à 61 000 dollars. Cette rotation est souvent liée au surmenage, aux conditions de travail et à la migration, l'exode de ces travailleurs. Une infirmière sur 8 pratique ou exerce dans un pays autre que celui dans lequel il ou elle est né. Comme on l'a dit, c'est une main-d'œuvre principalement féminine et jeune. Et cette profession reste donc très peu paritaire, et ce, en raison du lieu de travail, des caractéristiques du lieu de travail qui affectent l'activité infirmière. Les conditions de travail ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il y a des sauvegardes et des dispositions juridiques, mais elles ne sont pas mises en place ou elles ne sont pas les mêmes partout dans la région. De nombreuses infirmières, de nombreux infirmiers sont exposés à des maladies infectieuses, par exemple. Il y a également un chiffre trop faible d'infirmières qui exercent des postes à responsabilité. Il faut changer cela. Ces professionnels sont les moins représentés aux plus hauts échelons du gouvernement et du ministère de la Santé. Dans notre région, 79%
des États membres disposent de postes. Seuls 46% comptent des femmes, des infirmières à des postes à responsabilité, comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est de la prestation des services, on voit qu'il existe des cadres inégaux, des cadres réglementaires inégaux entre les différents pays des Amériques qui garantissent les conditions de pratique, d'exercice, de formation continue. Seuls 5 pays de la région ont considérablement progressé vers la couverture universelle de santé consacrent au moins 6% de leur PIB au secteur de la santé et en partie au secteur infirmier. Quelles sont les orientations stratégiques que nous devons à présent mettre en place? L'année dernière, l'OMS a publié des orientations mondiales stratégiques pour la profession infirmière et pour les sages-femmes. Elle a été adoptée à la 74e Assemblée mondiale de la santé. Ces orientations identifient 12 priorités stratégiques pour maximiser, pour optimiser l'efficacité de la profession infirmière et favoriser la réalisation d'une couverture santé universelle et atteindre les ODD. Dans ce document, des orientations stratégiques ont été fixées dans 4 domaines prioritaires dans la région des Amériques, à savoir l'éducation, l'emploi, la prestation de services et le leadership. Voyons d'abord l'éducation. La formation des infirmiers, des infirmières est essentielle pour renforcer cette main-d'œuvre et progresser vers une santé universelle. Pour ce faire, il faut vraiment aligner cette formation aux postes existants et aux besoins sanitaires de la population, en particulier en renforçant leur rôle dans les communautés et les soins de santé primaires. Cela peut comprendre la création de postes avancés. Nous devons, par ailleurs, dans ce domaine, augmenter la production ou la formation, le nombre de diplômés en soins infirmiers et mettre à jour les programmes d'études pour répondre aux normes de qualité. Il faut également se fonder sur des données probantes, se fonder sur les compétences nécessaires pour former les professionnels tout au long de leur vie. Cette formation se fait souvent de façon décloisonnée. Ensuite, ces professionnels sont propulsés dans les systèmes de santé et on attend d'eux qu'ils travaillent en équipe, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu du cloisonnement de leur formation. Comme il a été dit, nos facultés sont vieillissantes et ne sont plus adaptées au XXIe siècle. Nous devons vraiment œuvrer à moderniser les compétences qui sont enseignées. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de ces universités. Nous devons chercher à maintenir les infirmières en poste. Il nous faut réfléchir à des mécanismes de formation continue pour l'ensemble du personnel infirmier. L'information, les connaissances se développent très rapidement. Nous devons donc avoir accès à des informations à jour pour pouvoir toujours en apprendre davantage et nous tenir au courant. Voyons à présent l'emploi et la prestation de services. Nous avons dans notre région une pénurie d'infirmiers et d'infirmières et il s'avère difficile de maintenir ces personnes en poste.
Ils sont surchargés de travail, ne sont pas suffisamment formés et cela entraîne le départ de ces professionnels. On voit également des flux migratoires d'infirmiers et d'infirmières qui se déplacent, qui quittent des pays à faible revenu pour gagner des pays à revenus plus élevés. Ensuite, la couverture universelle n'est pas encore, est encore loin. On ne peut pas encore répondre aux besoins sanitaires de la population et ainsi atteindre cet accès universel. Voici à présent quelques recommandations. Il faut réfléchir à une meilleure planification de la main-d'œuvre et mieux prévoir, faire de meilleures prévisions sur le marché du travail du secteur de la santé. Chaque pays devrait analyser son propre marché. Il nous faut également améliorer la prestation de services de santé et notamment des soins de santé primaires en formant correctement les professionnels. Nous devons également réfléchir à une migration plus éthique. Il faut travailler en collaboration sur des politiques internationales de migration et les pays doivent chercher à réduire les facteurs qui font fuir leurs infirmiers, leurs infirmières afin de les pousser à rester dans leur propre pays, par exemple en améliorant leurs conditions de travail. Il existe également un besoin de renforcer les systèmes réglementaires professionnels et de favoriser le développement des capacités des responsables en matière de réglementation. Pour terminer, le leadership. De nombreux avantages peuvent être générés par la présentation de femmes, d'infirmières à des postes à responsabilité. Ces personnes ne doivent pas simplement être confinées dans la prestation de soins. Il faut les former et il faut véritablement tenir compte de leur voix à des postes de planification. Les orientations consistent donc à renforcer les postes à responsabilité pour les infirmières, mais aussi dans la gestion de la prestation des soins de santé et les politiques de santé publique. Il faut investir dans des compétences, dans les compétences de direction des infirmières. Beaucoup de pays des Amériques n'ont aucun programme de ce type. Et enfin, il nous faut établir et appuyer des postes de responsables infirmiers. Pour ce faire, il faut régler des problèmes sur le travail, combler les écarts de salaire et améliorer la collecte de données. Vous voyez ici plusieurs photos à l'écran. Ce sont des infirmières qui exercent des rôles de direction et ont véritablement un impact sur les systèmes de santé. Je passe aux conclusions. La pandémie de COVID-19 a mis en relief de graves déficits de nos systèmes de santé. Pour avoir des systèmes solides, il faut avoir une force de travail, une main-d'œuvre qui soit bien formée et bien répartie. Les infirmiers et les infirmières jouent un rôle central pour relever les défis sanitaires du XXIe siècle. Des systèmes solides et elles jouent également un rôle dans la prestation des services de santé primaires et la réalisation des ODD et d'une santé universelle. Il faut investir davantage dans la profession infirmière dans les Amériques. Et pour ce faire, il faut prendre des mesures volontaristes et stratégiques pour renforcer
l'éducation, le leadership, l'emploi et la prestation de services. Les gouvernements, les décideurs politiques, les organisations internationales, le milieu universitaire, toutes les parties prenantes de la région doivent réexaminer et améliorer leur engagement à investir dans la profession infirmière. Je tiens ici à vous remercier pour votre attention. Et je vous informe qu'aujourd'hui a été publié un rapport, celui que vous voyez à l'écran. Vous pourrez trouver davantage de détails sur l'importance d'investir dans la profession infirmière dans notre région. Merci à l'OPS, au personnel, aux stagiaires qui ont contribué à ce rapport. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté mondiale de pratique des infirmières et des sages-femmes, je vous encourage fortement à le faire en cliquant sur ou en vous rendant sur le site Internet dont vous voyez l'adresse à l'écran. Vous y trouverez de nombreuses informations. Vous pourrez partager des idées, des ressources, des informations sur des événements dans ce domaine. Cette communauté sera très utile pour que nous puissions travailler tous ensemble afin de mener à bien ces initiatives stratégiques. Je vous remercie. Merci Nancy pour cet exposé très instructif. Laissez-moi vous dire également que Nancy aborder le besoin d'améliorer la composition de la main-d'œuvre infirmière en augmentant le nombre de professionnels effectifs, mais pas seulement leur effectif, en améliorant également leurs compétences. Il faut également mieux répartir ces professionnels entre les pays, au sein des pays, pour réduire les vastes disparités qui caractérisent notre région. Il nous faut aussi augmenter la proportion d'hommes dans la proportion. Il faut également affecter davantage d'infirmiers, d'infirmières en milieu rural et investir dans la formation et l'emploi de professionnels infirmiers avancés, comme l'a dit Nancy. Chaque pays peut se fonder, s'inspirer de l'expérience de l'Uruguay en matière de dialogue politique et stratégique pour mener des concertations nationales et déboucher sur prendre des décisions nécessaires afin de se doter de politiques solides fondées sur des données probantes et des investissements suffisants pour améliorer la main-d'œuvre infirmière. Il faut faire progresser cette main-d'œuvre dans la région. Nancy a mentionné le document de politique, le policy brief. C'est une grande joie de vous le présenter aujourd'hui car nous lançons aujourd'hui cette publication que vous voyez à l'écran, cette publication sur l'importance stratégique d'investir dans le personnel infirmier dans la région des Amériques. Il a été élaboré par Nancy et par son équipe de la faculté de l'université Johns Hopkins. Il s'agit d'un document disponible à toutes et à tous que vous pouvez utiliser pour la concertation stratégique sur les investissements dans la profession infirmière. Vous y trouvez les principaux points, les principales mesures permettant d'investir dans la main-d'œuvre infirmière. Des recommandations y sont formulées pour permettre aux pays de renforcer leur personnel infirmier dans les soins de santé primaires
et dans d'autres soins, pas seulement au premier niveau, les soins. Et ce, en investissant dans la formation, l'emploi, la direction et la prestation de services. Je vous demande à toutes et à tous de consulter ce document. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'OPS. Il est disponible en anglais et sera bientôt disponible en espagnol et en portugais. Il s'agit, encore une fois, d'un document précieux pour chacun d'entre nous. Parlez-en à vos étudiants, à vos enseignants, à vos amis qui travaillent dans le secteur de la santé. Parlez-en avec les ministères de la santé, de l'éducation, des finances. Parlez-en donc entre vous, autour de vous, parce que ce document explique pourquoi il est important d'investir dans la profession infirmière. Nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour. En ce moment, je tiens une fois de plus à remercier toute l'équipe, tous les collaborateurs du docteur Nancy Reynolds. Bien, nous poursuivons. Les pays vont nous parler de leur expérience et vont nous parler des investissements que font leurs pays dans les soins infirmiers. Et je vais donner la parole à Gail Tomlin, vice-présidente de recherche et directrice exécutive des soins infirmiers de la faculté d'infirmerie Canada. Vous avez la parole, Gail. Je remercie. Merci de me permettre de prendre la parole. C'est un privilège que de pouvoir participer, de vous donner, dans la mesure de mes possibilités, la perspective canadienne. Je suis directeur du Centre de planification de l'université et j'ai eu le privilège d'être vice-président de recherche plus récemment et d'innovation. Et infirmière en chef à Nova Scotia Health, qui fait partie du système canadien. Je crois qu'il y a une présentation. Je ne sais pas si vous allez la faire apparaître ou si vous souhaitez que je le fasse. Allez-y, Gail, faites-le. So do you yeah, if you can oui. Put in a presentation mode, yes, slideshow. Thank you. Mode présentation, s'il vous plaît. There, can you see that okay? Voilà. Yes, thank you so much. So good day, lovely. Bonjour à tous. Bonjour à mes collègues. J'ai le plaisir d'être parmi aujourd'hui et tout d'abord, je vous dirais que je salue les peuples autochtones de notre région. Alors que je passe, si au transparent suivant, vous voyez, d'après ce qu'ont dit mes collègues, que les prestataires de soins infirmiers ont fait d'énormes progrès. Mais en dépit de cela, nous avons vu, d'après les chiffres qu'on vient de présenter, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Nous avons vu dans notre pays toutes les défaillances du système. Nous l'avons vu au quotidien. Nous avons vu les retombées de la COVID-19. D'un fort impact sur les diverses communautés et sur les prestataires de soins. Le leadership en matière de recherche l'a prouvé.
Ce n'était une surprise pour personne. La pandémie a montré qu'il était urgent de parvenir à des réformes. Ces situations n'ont fait que s'aggraver. Il existe un énorme nombre de rapports qui le disaient déjà et nous allons voir comment y parvenir. Il est des preuves d'effet probant à l'échelle mondiale d'ailleurs, qui ont été soulignées très clairement dans toutes les publications à ce jour et je ne vais pas insister. L'éducation, la prestation de services. Nous devons d'ailleurs élargir la portée de notre pratique et parler de prestations de services, d'équipes pour le faire. La façon dont les soins infirmiers jouent un rôle incroyablement important en la matière. Améliorer donc le rôle multidisciplinaire des prestataires de soins. L'emploi, bien évidemment. Nous sommes employeurs et nous voyons l'importance d'investir afin de retenir et de recruter, particulièrement dans des domaines prioritaires. La COVID-19, le COVID long ont démontré qu'il est indispensable d'avoir une intégration à l'échelle de tout le système. Et là, nous parlons de leadership, de son importance. Certaines anecdotes canadiennes nous renvoient au fait qu'il est indispensable que les représentants de notre profession d'infirmière se retrouvent au niveau le plus élevé du gouvernement. Passons ici à la suivante, qui est faire le point au niveau juridictionnel. Peu importe si nous examinons des rapports à l'échelle mondiale ou si nous examinons ce que nous faisons au Canada, et je vous en parlerai. Nous avons fait plusieurs examens, déjà en 2022, qui ont souligné les domaines qui sont liés à l'accès, à la dotation de personnel, au retard en matière de chirurgie, COVID, accès aux prises en charge, particulièrement dans les zones rurales, pour ne mentionner que quelques problèmes. Et j'aimerais vous expliquer ce que nous avons fait dans notre pays. Nous avons été invités par la Société royale de soins de santé du Canada à effectuer un examen de la situation, ce qui nous a permis de rassembler des experts, notamment des décideurs et des scientifiques, nombreux impliqués dans ce genre de travail depuis longtemps. Et la question qu'on nous a demandé d'élucider était tout d'abord de décrire quels avaient été les problèmes qu'ont connus les infirmiers et infirmières avant la COVID et la façon dont la COVID avait accéléré ces facteurs et les éléments auxquels nous devions accorder notre attention prioritaire pour faire les choses de façon correcte et parvenir à des solutions, des stratégies durables, pérennité au niveau des investissements notamment. Ensemble, ces experts ont été rassemblés, d'autres participants, et nous avons examiné une série de documents provenant du monde universitaire, notamment nos juridictions, car c'est un exercice très canadien. Nous avons des dirigeants des diverses juridictions qui mettent l'accent notamment sur l'équité. Nous avons examiné ces documents produits par les diverses juridictions. Nous avons effectué des études de cas. 43 participants qui ont examiné à fond ces cas. Et tout cela, et j'ai eu l'occasion de travailler avec 18 experts pour y parvenir. Des pays, d'autres pays auront examiné les choses dans une optique différente, mais c'est ce que nous avons fait. Nous savons
que l'intention de rester dans la profession existe, mais il est extrêmement difficile d'y parvenir. Nous savons, nous connaissons l'expérience du burn-out, de l'exode de la profession. C'est une réalité pour tous. Nous savons aussi que les conditions de travail ne sont pas idéales. Ce qui ne fait qu'accentuer l'exode de personnel. L'étude démontre également que nous devons nous préoccuper du fait que les infirmiers, infirmières à mi-parcours dans leur carrière ont été ceux qui ont le plus souffert et montré cette intention d'exode. Le vice-ministre du gouvernement fédéral a examiné la situation, de même que les dirigeants des provinces et l'ensemble du système, afin qu'ensemble, en partenariat, nous puissions améliorer les choses. Une stratégie pan-canadienne n'avait jamais bien fonctionné auparavant. Nous avions souvent dit qu'il fallait que nous parvenions à une focalisation constante sur la rétention du personnel et le recrutement. Il s'agit également, dans certaines provinces, la mienne notamment, la Nouvelle-Écosse, où nous avons un nouveau gouvernement, et nous avons insisté sur le besoin de recruter des prestataires de soins. Nous devons travailler avec le ministère, avec les hôpitaux ruraux, avec les hôpitaux dotés de facultés pour parvenir à mettre en place cette stratégie qui est indispensable. Nous avons besoin de rester centrés sur l'essentiel et travailler au niveau des soins de santé primaires, dans les milieux ruraux, mais aussi ailleurs, dans l'ensemble du système. Nous devons donc nous focaliser sur ces modèles pour parvenir à la rétention, au recrutement. On parle souvent de médecins, mais on ne parle pas assez d'infirmiers, infirmières qui travaillent à titre d'indépendants. Et nous recommandons que travailler ensemble à l'échelle nationale, au lieu de continuer d'être des concurrents, est indispensable et important si nous voulons arriver à une solution. Je suis allée trop vite là. Il faut qu'il y ait également une validation. La rémunération est une chose et importante, certes, mais il faut aussi trouver une façon novatrice d'aider les nouveaux infirmiers et de récompenser nos personnels. Continuer de s'attendre à ce que les personnels en place continuent de faire tout ce qu'ils font sans des récompenses au niveau rémunération notamment, est illusoire. Il faut penser également au bien-être du personnel. Au niveau des provinces, les ministères doivent s'impliquer. L'Institut du bien-être sera essentiel en la matière. Nous devons aller de l'avant afin de renforcer la voix des infirmiers et infirmières au niveau de la planification et de la définition des politiques. Faire entendre leur voix afin que nos personnels, tous, notamment les communautés originaires et les communautés d'ascendance africaine puissent également être entendues. Alors que nous forgeons ce partenariat, j'ai beaucoup parlé de partenariat d'ailleurs au fil des ans, mais plus que jamais nous comprenons l'importance de partenariat. Les ministères, les communautés de services, les facultés d'enseignement doivent tous travailler ensemble afin de répondre aux exigences d'une couverture sanitaire universelle qui atteigne tous
et toutes nos communautés. Des mesures cruciales doivent être mises en place et des recommandations ont également été définies. Et nous aurons d'ailleurs un livre blanc sur ces recommandations et nous organisons la semaine prochaine à l'échelle du Canada un webinaire sur le sujet. Je voulais revenir à certaines choses essentielles pour ce qui est de ma province. Il faut aller de l'avant avec des stratégies novatrices qui sont liées à des choses très simples d'ailleurs. Si je prends quelques exemples, récemment, nous avons un groupe de travail qui a examiné la façon de permettre à tous les personnels de santé d'améliorer les perspectives professionnelles, mettre en place des solutions novatrices en collaboration avec les cliniques, où il y a des infirmiers diplômés, des pharmaciens qui travaillent en collaboration également, afin d'améliorer l'accès. Tout ce que nous faisons et continuerons de faire, nous essaierons d'évaluer l'impact de ces mesures à tous les niveaux, d'ailleurs. Nous avons des infirmières diplômées qui ont droit de prescription d'ordonnance médicale. Elles ont reçu une formation avancée. Nous investissons pour continuer d'en former toujours plus nombreux. C'est essentiel pour nous. Un exemple récent, afin que les infirmières diplômées soient également dotées des prérogatives d'admettre des patients en installation, en institution médicale. Cela permet d'élargir l'accès aux soins de santé primaire, permet de suivre le patient à tous les niveaux du système afin qu'il puisse être sortir de l'hôpital et rentrer chez eux et que l'infirmière et l'infirmier puissent les suivre à chacune de ces étapes. C'est une des choses à laquelle nous travaillons. Nous continuerons à nous focaliser également sur l'embauche d'étudiants, leur offrir des services de mentorat, de conseils bien plus tôt, sans attendre qu'ils soient diplômés. Et cela leur permettra d'acquérir des connaissances différentes, plus pratiques, tout au long de la filière. Autre domaine dans lequel nous travaillons ensemble pour éduquer davantage les personnels de soins infirmiers, nous mobilisons des ressources, nous préparons une intégration totale des communautés afin qu'elles puissent également faire bénéficier les familles, les enfants, les communautés autochtones de toutes leurs qualifications. Nous avons examiné diverses situations dans notre pays. Et je tenais à vous remercier de l'opportunité de partager avec vous certaines de ces actions que nous avons mises en place dans notre pays. Et je vous remercie. Merci, Dr. Tomlin. Une excellente présentation, comme d'habitude d'ailleurs. Vous avez parlé de cette stratégie canadienne. Et je voudrais poser une question aux participants. Vous ne devez pas me répondre, mais c'est simplement pour arriver à une réflexion. Le Dr. Tomlin a dit que la stratégie canadienne est de faire progresser la provision. Qu'en est-il de cette stratégie dans vos pays? Avez-vous adopté une stratégie pour faire progresser la provision? Attendons-nous que le gouvernement ou le ministère ou nos associations fassent quelque chose? Mais que faites-vous, vous, pour
développer pour mettre en place une stratégie dans votre pays afin qu'il y ait développement de la profession? C'est une question que je vous lance. Et peut-être, Gail, que grâce à cela, nous obtiendrons une réponse. Merci, Gail. Gail nous parlait de modèle de rémunération. Alors, nous allons écouter maintenant le docteur Sonia Ascioli, présidente de l'Association brésilienne de personnel d'infirmerie, et qui va nous décrire ce que fait le Brésil pour relever la rémunération minimum des personnels infirmiers au Brésil. Merci d'avance, Sonia. Vous avez la parole. Bonjour. Un grand merci, Madame Sylvia. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous, Madame Cassiani. Merci de nous avoir invités à participer à cette journée internationale. Je vais partager ma présentation à l'écran. Est-ce que vous la voyez? Je représente l'association. La scientifique la plus ancienne du Brésil, simplement pour vous planter le décor. Le Brésil, c'est un très grand pays. Nous existons depuis 96 ans. Depuis 96 ans, nous appuyons les bonnes pratiques professionnelles dans différents domaines, dans l'éducation publique. Mais aujourd'hui, nous avons été invités pour parler de notre travail politique, notre participation à la lutte politique pour revaloriser la profession des infirmiers et des infirmières. Je vais donc aborder les luttes, les combats, les défis rencontrés par le personnel infirmier au Brésil. Pour commencer, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte de la profession infirmière au Brésil. Ça a été l'année internationale des infirmières et obstétriciens. 2021, l'année internationale des travailleurs de la santé et des soignants. À l'échelle mondiale et au Brésil, il y a donc une mobilisation autour de la filière infirmière. Au Brésil, nous avons environ plus de 2 500 000 travailleurs de la filière infirmière. C'est dans notre pays qu'on trouve la plus grande main-d'œuvre dans le secteur de la santé. On trouve également un grand nombre de techniciens des soins infirmiers. Plus de 60 000 infirmiers, infirmières et plus de 400 000 aides infirmiers et aides infirmières, 334 obstétriciens, obstétriciennes. On voit donc qu'il y a un grand déséquilibre dans cette répartition des professions. Pour ce qui est de la pandémie de COVID, voici ici quelques réflexions sur la crise de la profession infirmière. Il s'agit de la filière qui a été la plus durement frappée. Nous avons perdu un grand nombre de nos membres. Notre pays a enregistré un tiers des décès de professionnels du secteur infirmier à cause de la pandémie. Les conditions de travail se sont dégradées pendant la pandémie. Et pour ce qui est de la rémunération, voici ici quelques chiffres importants. La performance moyenne des professionnels infirmiers a baissé entre 2019 et 2020 de 11,8%. Sur cette même période, la performance moyenne réelle au Brésil s'est également contractée d'1%.
ou le rendement, la rentabilité. Et ça, c'est le résultat d'une enquête menée par le département intersyndical des statistiques et des études socio-économiques. Autre chiffre important, éloquent, fourni par l'enquête sur le profil des infirmiers et infirmières au Brésil, réalisée par le Conseil fédéral de la profession infirmière et Fiocruz, 70% des professionnels infirmiers reçoivent moins de 3 000 réaux de rémunération, dont plus de 280 000 d'entre eux reçoivent moins du salaire minimum à l'échelle nationale, ce qui montre bien le faible niveau de vie de cette population. Il y a donc une lutte, une exigence de revalorisation de cette profession, et ce depuis plus de 30 ans. On parle ici d'un corps professionnel qui ne dispose pas encore d'un salaire minimum et qui se trouve confronté à une dure réalité, qui se trouve confronté à la nécessité de multiplier les emplois pour atteindre une rémunération décente. Ici, je vous fournis d'autres informations sur l'histoire de cette lutte, la lutte de ce corps professionnel au Brésil. Ces professionnels se sont battus pour que soit réglementée leur durée de temps de travail, leur temps de travail. Une loi sur l'activité infirmière au Brésil a été votée en 1955 et on préconisait déjà un temps de travail de 30 heures. Ce besoin de réglementation est reconnu dans la Constitution fédérale de 1978, qui établit une journée de travail de 6 heures à quelques exceptions près en cas de convention collective. On parle donc d'une réglementation qui est très ancienne. Il existe également des projets de loi similaires qui ont été adoptés par des agents communautaires de santé en 2018 pour les physiothérapeutes. En 1994, pour les assistantes sociales en 2010, il s'agit de catégories professionnelles qui remplissent un rôle dans le secteur de la santé, tout comme les infirmières et les infirmiers. Le personnel infirmier représente 60% de l'ensemble du personnel de santé. On parle donc ici d'une population qui a besoin de voir son salaire, sa rémunération encadrée. Voyons à présent les stratégies et les mesures envisagées pour réaliser ce combat. Il existe un forum national du personnel infirmier qui a été créé en 2011. Il se compose de la Fédération nationale des infirmiers, de la Confédération nationale des travailleurs de la santé, de l'Association brésilienne du personnel infirmier, du Conseil fédéral des soins infirmiers, de la Confédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale, de l'Association nationale des aides infirmiers, des techniciens des soins infirmiers, mais également d'étudiants. Il s'agit donc d'une mobilisation d'un groupe important qui regroupe, qui rassemble différents types d'entités afin d'atteindre les objectifs que nous poursuivons, à savoir la consolidation de notre profession. Nous avons donc travaillé dur pour réaliser une mobilisation sociale et politique depuis 2011. Nous avons intensifié cette mobilisation pour revaloriser la profession
infirmière. Nous avons dialogué avec législateurs et des organisations internationales. Nous avons organisé différents types de manifestations, des débats, des événements publics, des événements présentiels, virtuels pendant la pandémie. Nous avons travaillé avec le Sénat, avec le Parlement pour discuter avec eux et les sensibiliser aux besoins de concrétiser notre projet de loi lancé en 2020 créé par le sénateur Contarato pour mettre en place un salaire minimum. C'est donc un projet très récent. Vous voyez ici les dates à l'écran, 24 novembre 2021. C'est à cette date qu'a été adopté par le Sénat fédéral le projet de loi 2564 qui propose un salaire minimum national pour le personnel infirmier. Un groupe de travail a été créé au sein du Parlement fédéral où participent les groupes dont je viens de vous parler. Un rapport a donné un avis favorable à l'unanimité pour ce projet. Une étude a également montré que le budget important et de la viabilité budgétaire de ce projet de loi. Ce rapport a démontré que ce salaire minimum représenterait une hausse de 2,02% des feuilles de paye des prestataires de services. Dans le secteur privé, ce serait 4,8%. Il s'agirait d'une augmentation de 4,8% des cotisations de sécurité sociale. Il est désormais urgent de revaloriser la profession infirmière. Il faut le faire sans plus attendre. Nous devons redoubler d'efforts, renforcer la mobilisation en cette semaine qui précède la Semaine internationale pour la profession infirmière. Pour le projet de loi, dans le privé comme dans le public, il faut garantir ce salaire minimum. Il s'agit d'une bataille majeure avec le secteur privé qui exerce une forte pression sur le Parlement national. Il faut également actualiser chaque année ce salaire minimum en se fondant sur l'indice des prix à la consommation. Il faut également maintenir les salaires à un niveau égal ou supérieur au niveau qui est proposé. Cette semaine, le 4 mai dernier, c'est très récent, je reviens de Brasilia, ce salaire minimum a été approuvé. Vous voyez ici des photographies de notre participation au Parlement. Il s'agit d'une séance d'hommage à la profession infirmière. Il s'agit là d'un gain historique pour cette filière. Plus de 5 000 infirmières, infirmiers, aides-infirmiers, techniciens étaient présents à cette séance au Sénat, au Parlement, à Brasilia. En ce grand moment de défense du salaire minimum, 449 voix ont appuyé ce projet, 12 l'ont rejeté. Et ce faisant, le projet de loi introduisant un salaire minimum a été
approuvé, adopté ce projet fixe un salaire minimum de 4 750 réaux par infirmier, 3 325 réaux pour les techniciens et 2 375 réaux pour les aides infirmiers et les sages-femmes. Il s'agit d'un projet qui a été négocié. Les montants proposés étaient initialement supérieurs. Il ne s'agit donc pas de montants de salaire idéaux. Ils sont inférieurs à ce que nous avions proposé, mais l'adoption de ce projet est déjà un grand pas en avant et nous pourrons à l'avenir travailler à relever la barre. Ce projet devra encore être confirmé, ratifié par la présidence de la République. Mais la lutte n'est pas terminée. Il faut encore parvenir à fixer le principe d'une semaine, d'un temps de travail de 30 heures hebdomadaires. Il faut également appuyer le projet d'amendement à la Constitution et l'organisation collective solidaire entre les différents groupes de population doivent disposer de l'appui d'organisations internationales et cette mobilisation est essentielle pour faire progresser la situation et pour pouvoir continuer d'influencer la prise de décision politique. La lutte politique fait partie de notre activité. Il faut le reconnaître. Je vous remercie. Je vous remercie, Sonia. Encore un exposé très instructif. Je voudrais ici envoyer un autre message aux participants. Sonia a été très claire. Elle nous a parlé de la mobilisation nationale, d'un forum national du personnel infirmier, disposant de différents leaders regroupant différentes organisations. Cette force, c'est ça le moteur de notre profession. Ce forum s'est adressé au Congrès, au Sénat, au Parlement, a mené également une évaluation d'impact. Il s'agit d'enseignements que l'on peut tirer de l'expérience brésilienne et dont nous pouvons tous nous inspirer. Nous espérons que cette expérience puisse servir à d'autres pays. Merci Sonia encore une fois et je cède à présent la parole à Patricia Ingram Martin, chef des soins infirmiers au ministère de la Santé et du Bien-être de la Jamaïque. Patricia, nous sommes en train de projeter votre exposé. Vous pouvez donc commencer. Très bien. Un grand merci à toute l'équipe de l'OMS-OPS de m'avoir invité à participer à cette célébration. Je vais vous parler des orientations stratégiques, des infirmières et des aides et des sages-femmes en Jamaïque. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous faire un résumé rapide de la situation en Jamaïque. La Jamaïque, c'est un pays. Est-ce que je peux passer à la diapositive suivante? Vous pouvez simplement nous indiquer diapositive suivante et nous le ferons. Alors, le profil général de la Jamaïque. Vous voyez ici le drapeau de notre pays et la carte de notre pays sur la droite. La Jamaïque est un petit État insulaire en développement. C'est le plus grand de la Caraïbe anglophone et il abrite une population de 2,93 millions d'habitants.
Profil sanitaire à présent. La santé publique est administrée par un réseau de 125 centres de santé dispensaires et 24 hôpitaux. Notre système de santé est décentralisé, c'est-à-dire qu'il existe 4 autorités sanitaires régionales. Le réseau des dispensaires et des hôpitaux se trouve réparti entre ces différentes régions de l'île. Nous comptons environ 23 000 travailleurs de la santé dans le domaine, dans le secteur public. Diapositive suivante. Voyons présent les effectifs d'infirmières et de sages-femmes. À l'heure actuelle, nous atteignons 71% du cadre requis pour les infirmières et 65% pour le cadre des sages-femmes. Il existe 9 écoles de formation des infirmières et 3 pour les sages-femmes. Nous comptons environ 500 infirmières diplômées et homologuées et 100 diplômées par année et 100 sages-femmes par année. Il y a une unité d'éducation, de formation au sein du ministère de la Santé qui facilite la formation de ces professionnels. Le grand défi, c'est de conserver les infirmières, pas tellement les sages-femmes, car il y a des offres beaucoup plus lucratives qui attirent les personnels infirmiers. Au cours des 3 dernières années, en 2019, 18% du personnel a quitté la profession. En 2020, 7%, et en 2021, 10%. Si on revient sur 2020, il y a eu une énorme chute du nombre de personnel qui a quitté la profession. C'est cela, était dû à la pandémie de COVID et à l'incertitude du monde. Donc, il y a eu une diminution du pourcentage, mais on constate que maintenant, à l'heure actuelle, les gens vivent avec la COVID, avec la pandémie, donc les chiffres ont tendance à nouveau à grimper. Pour ce qui est des migrations, nous savons que nos infirmières émigrent, mais il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui ont émigré lorsque quelqu'un s'en va, quitte le pays. En réalité, on compte cette personne comme ayant renoncé à la profession. Mais il n'y a pas de raison qui soit avancée. Ce pourrait être mise à la retraite, ou choix, ou une autre raison. Donc, il est difficile d'avoir un chiffre précis du nombre de personnes dans l'infirmière qui émigrent. L'essentiel de notre plan stratégique pour les soins infirmiers obstétriques, en 2020, l'Organisation mondiale de la santé a décidé que ce serait l'année internationale des infirmières et sages-femmes lors de la 144e réunion du Conseil exécutif de l'Assemblée mondiale de la santé. La Jamaïque a proposé de promouvoir les programmes destinés au personnel infirmier. Notre ministère de la Santé a défendu avec passion les personnels de santé. Se préoccupe beaucoup du fait que
Les infirmières émigrent car elles sont recrutées par d'autres pays. Et donc, notre ministère a proposé cette commémoration qui était appuyée à la grande majorité des autres États membres. Ceci a permis de faire entrer en vigueur des décisions et des résolutions précédentes de l'Assemblée mondiale de la santé. C'est de cette désignation qu'a découlé une série de mesures, d'actions. La confection notamment de rapports, le premier état du monde des services infirmiers et troisième rapport mondial en matière d'obstétrique. Nous avons contribué aux orientations stratégiques pour les soins infirmiers et obstétriques et la Jamaïque a participé à la consultation. Les pays sont encouragés à utiliser les conclusions de ces rapports, ainsi que des orientations et directives, des orientations stratégiques pour les services infirmiers obstétriques, afin de mettre au point des politiques, notamment visant l'investissement en personnel, afin de mieux répondre aux priorités nationales en matière de santé. Et la Jamaïque a entamé un dialogue de politique afin que les investissements dans le développement de la profession d'infirmier, de sage-femme, puissent se développer. Et ceci avec l'appui de l'OMS. Quelles sont les activités que nous avons entreprises à l'occasion de l'année internationale des personnes infirmières obstétriques en 2020. Nous avons examiné l'avenir de ces deux professions avec la participation de l'OPS, d'infirmières, infirmiers, sages-femmes de toute la Jamaïque. La Jamaïque a proposé une résolution pour le renforcement des soins infirmiers d'obstétriques à la 74e Assemblée mondiale de la santé. Outre les autres activités, et qui ont servi un petit peu de tremplin pour mettre au point un plan stratégique de 5 ans grâce à une collaboration avec l'OPS et guidé par les orientations stratégiques mondiales de l'OMS 2021-2025. Nous avons maintenant un coordinateur de projet qui a été embauché par le ministère pour travailler sur ces orientations stratégiques afin de mieux définir ce que sont les services de soins infirmiers obstétriques. Nous avons insister pour que ce poste de coordinateur soit créé. Et une fois le premier projet terminé, le coordinateur a néanmoins conservé son emploi au sein du ministère. Ce plan a été mis au point en utilisant l'approche en triade avec un membre du côté politique, à savoir le ministère de la Santé et du Bien-être, le bureau du chef infirmier, les associations, donc le côté plaidoyer, ainsi que le volet réglementation. Toutes ces entités se sont rassemblées pour examiner le travail futur pour aboutir à un plan stratégique. 4 groupes de travail ont été mis en place, ainsi qu'un comité de pilotage qui comprend des experts en soins infirmiers obstétriques de la Jamaïque et bien sûr avec l'appui de l'OPS et de l'Université des Saintes Occidentales, de sa faculté de soins infirmiers, qui est le centre qui travaille en collaboration avec l'OPS et l'OMS. Suivante,
J'ajouterai que nous avons bénéficié de la participation du secteur privé autant que du secteur public et de personnel infirmière relevant de ces deux secteurs. Le plan a été mis au point. Ses objectifs sont de définir des priorités de politique afin d'offrir des conseils tactiques afin de renforcer les filières de soins infirmiers et d'obstétriques en Jamaïque. Il s'agit de parvenir, in fine, à soins de santé universels, voie sur laquelle nous sommes engagés déjà, nous avons commencé, et c'est un travail qui nous prendra les 5 prochaines années. Ceci s'inscrit tout à fait dans le droit fil des orientations stratégiques mondiales de l'OMS dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la pratique et de leadership. Nous demandons donc que des investissements accrus soient effectués dans chacun de ces 4 domaines prioritaires. Suivante, s'il vous plaît. Ces priorités stratégiques, comme je le disais, s'inscrivent dans le droit fil des orientations stratégiques de l'OMS. Pour ce qui est de l'éducation, nous examinons les domaines propices à l'investissement pour améliorer la qualité de l'enseignement et des formations en matière de soins infirmiers obstétriques afin de développer un système de santé qui corresponde aux véritables besoins de la population en Jamaïque. La pratique, la prestation de services, là, nous souhaitons identifier des domaines d'investissement afin que infirmiers et sages-femmes puissent pratiquer dans toute la mesure que leur offert leur éducation et formation. Pour l'emploi, nous souhaitons identifier des domaines d'investissement qui permettent d'augmenter le nombre de personnes infirmières et de sages-femmes en parvenant à les recruter, à les retenir et à gérer leurs souhaits d'émigration. Pour ce qui est du leadership, nous préconisons des investissements qui permettent de renforcer et de consolider le leadership des responsables des soins infirmiers et obstétriques. Suivant, l'avenir. Le consultant de l'OPS travaille avec le groupe de travail, avec les groupes de travail à l'échelle de tout le pays. Nous avons organisé des consultations et nous avons mis au point une note conceptuelle qui sera présentée au ministère de la Santé très bientôt. Nous travaillons à la confection du plan de travail. Et nous espérons pouvoir également développer un plan stratégique assorti d'un plan de mise en œuvre qui sera également présenté au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous chercherons bien évidemment à obtenir un financement du gouvernement pour l'étape mise en œuvre. En conclusion, le plan stratégique de la Jamaïque découle en réalité du fait que l'OMS a décidé de commémorer une année internationale des infirmières et sages-femmes, ainsi que des orientations stratégiques mondiales pour les soins infirmiers et obstétriques. Et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes heureux d'avoir obtenu l'appui également de l'Organisation panaméricaine de la santé. Et finalement, je tiens à vous souhaiter à tous et toutes une bonne journée internationale des infirmières 2022. Je vous remercie, Madame Dr. Ingram, qui nous a relaté une expérience excellente qui est celle de la Jamaïque. Il s'agissait en réalité d'une mise à jour des orientations stratégiques que l'on retrouve dans les orientations stratégiques de l'OMS.
Et je demande à mes collègues de nous dire si vous avez un plan stratégique dans vos pays. Dans la négative, pourriez-vous utiliser le plan stratégique jamaïcain pour mettre au point votre propre plan stratégique, vos orientations stratégiques avec l'appui du ministère de la Santé, comme c'est le cas en Jamaïque. Expérience magnifique. Et j'espère que vous continuerez de nous en parler et nous relaterez la conclusion de votre démarche. Bien. Je vous disais, je vous annonçais une surprise. Surprise, en réalité, il s'agit d'une question que nous souhaitons poser à toute l'audience. Bruna peut peut-être m'aider. Veuillez afficher la question. Et je vais changer à l'espagnol. Moi-même et Bruna vont vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre à partir de votre ordinateur. Nous aimerions avoir votre opinion sur certains sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. La première question. La formation des personnes infirmières serait-elle suffisante pour satisfaire la demande de professionnels? Oui ou non? Ceux qui pensent oui, eh bien, répondez oui. Et ceux qui pensent non, cliquez sur le non également. Vous pouvez répondre directement, non pas dans la boîte de chat, mais directement sur ce que vous voyez affiché à l'écran, la question qui apparaît à l'écran. Deuxième question. Quels sont les facteurs fondamentaux pour parvenir à retenir les professionnels des soins infirmiers? Et là, vous pouvez sélectionner la priorité. Quels sont les facteurs fondamentaux, donc dans l'ordre de priorité? La sécurité personnelle, l'emploi et les droits professionnels. Vous voyez ce sondage sur votre écran. Je vois que vous me dites que vous ne parvenez pas à voir l'écran. Eh bien, le sondage apparaît, est affiché à l'écran. Nous continuons. Quels sont les facteurs fondamentaux pour retenir les professionnels des soins infirmiers? Regardez l'écran. Les réponses. Et vous cochez sur votre priorité. Sécurité personnelle, emploi et droit professionnel, milieu professionnel et heures de travail décentes, ou bien, quatrièmement, salaire attrayant. Voilà, je vous demande de répondre à cette question. Quel est le facteur fondamental pour vous? Muy bien. La pregunta... Très bien. Question suivante. La réglementation des professionnels de soins infirmiers dans votre pays est-elle actualisée? Est-elle à jour? Vous répondez oui ou non. La question est de savoir si la réglementation des professionnels de soins infirmiers dans votre pays est à jour, oui ou non. Et quatrième et dernière question. Quel est l'investissement le plus urgent qu'il faudrait faire dans votre pays pour faire progresser la profession de soins infirmiers?
l'éducation en soins infirmiers, le marché du travail, le milieu de travail ou les salaires. Et vous pouvez répondre à la question 2 et 4. Vous pouvez sélectionner réponse multiple. Bien. Encore quelques minutes avant de voir les résultats. Donc, je vous demande de répondre aux questions parce que pour nous, avoir votre opinion est essentiel. Parfait. Je crois que vous avez eu tout le temps de répondre et nous allons faire disparaître ce sondage et nous verrons les résultats dans quelques minutes. Entre-temps, Bruna, nous avons les résultats déjà ou pas? Ok. Voilà. Ok. 69% disent que la formation dans notre pays n'est pas suffisante pour répondre à la demande de professionnels, parce que des facteurs fondamentaux pour retenir les professionnels. Il s'agit emploi et droit professionnel, qui 72%. Ensuite, milieu de travail et heures de travail, nous le savions déjà. Et réglementation professionnelle, 71% disent que les règlements ne sont pas à jour. Il faut donc les mettre à jour. Et finalement, nous voyons la réponse à la question de savoir quel serait l'investissement le plus urgent, les salaires et ensuite éducation. Estamos aquí con un universo de... Très bien, merci beaucoup. Nous avons ici 1258 participants connectés. Il semblerait que la grande majorité ait réussi à répondre à ces questions. Avant de clore cette célébration, nous allons vous montrer quelques produits qui ont été élaborés par l'OPS et qui seront lancés pour la Journée internationale des infirmières. Nous vous avons déjà montré ce document, l'importance stratégique de l'investissement, des investissements nationaux dans les professionnels infirmiers dans la région des Amériques. Vous pouvez trouver le lien de cette publication dans la boîte de dialogue. Nous allons vous la transmettre également. Ce document va certainement s'avérer très utile pour vous. Le produit suivant, c'est une infographie sur les investissements dans les professionnels infirmiers dans la région des Amériques. Vous voyez à l'écran cette infographie en anglais, mais pour la semaine prochaine, elle sera disponible en espagnol et en portugais. Cette infographie est très intéressante pour vous et pour toutes les parties prenantes. Elle nous informe sur les priorités à fixer pour pouvoir investir dans la profession infirmière en matière d'éducation, d'emploi, de pratique et de leadership. Troisièmement, on a un document que beaucoup d'entre vous vont recevoir et que vous pouvez également consulter à partir du lien fourni ici. C'est un document sur l'éducation interprofessionnelle en matière de santé dans la région depuis la perspective des travailleurs infirmiers. Il nous faut en effet travailler sur la formation interprofessionnelle.
con cerca de más de 1000 participantes. Nous avons donc plus de 1000 participants connectés. Participantes, también debemos decir que próximamente, en breve, il nous faut à présent annoncer à tous ces participants que nous lancerons bientôt une communauté de pratiques, une communauté régionale de pratiques pour le personnel infirmier. L'OMS a déjà ce type de communauté à l'échelle mondiale. Vous recevrez bientôt des nouvelles à ce sujet. Il y a énormément d'informations à consulter à son sujet. Nous vous invitons également à consulter le site internet de l'OPS sur les soins infirmiers. Vous voyez à l'écran le site, ce site internet et l'adresse de ce site. Vous trouverez des informations sur tous les produits que je viens de vous présenter, sur d'autres produits sur lesquels l'OPS travaille en matière de soins infirmiers. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'OPS. Vous y trouverez une manne d'informations. Je remercie les près de 1300 participants qui se sont connectés aujourd'hui. J'envoie toutes mes salutations, je salue, je félicite les infirmiers et les infirmières à l'occasion de cette célébration. Je vous remercie et continuons à travailler sur le renforcement, les investissements dans le personnel infirmier de la région. À bientôt et merci.